serait-ce l'Académie française. Mais la pratique constante de cette compagnie a été d'admettre chez elle tous les genres littéraires comme toutes les doctrines politiques. La polémique a été brillamment représentée à l'Académie française par Boileau au XVIIe siècle et par Voltaire au XVIIIe. Il n'y a pas de raison pour que leur genre continuateur du XIXe et du XXe siècle ne soit pas admis à leur tour. J'avais une raison personnelle d'insister. Car, d'un côté, ma vie s'est dépensée tout entière à essayer de constituer ou de reconstituer une sorte d'esprit public commun à la France, un état stable, durable, cohérent, et autant que possible en brancher et se rapportant à toutes les grandes forces du passé. Ces adhésions ne m'ont jamais manqué. Pendant 40 ans, j'ai eu autour de moi toutes les amitiés, toutes les affections, tous les dévouements les plus généreux. J'ai eu des collaborateurs effectifs et des collaborateurs moraux qui sacrifiaient tout avec une amitié d'esprit incomparable à la cause que je leur avais proposée. Je peux dire que la vie m'a comblé et même un peu gâté. Mais je le répète, pour ce qui est des choses communes, des choses que nous appellerons sociales, des choses d'État, des grands corps, des compagnies, des communautés existant dans la France actuelle, je ne pourrais pas compter sur elles, puisque je livrais une lutte sans merci à la forme parlementaire, démocratique et républicaine de l'État. Alors, j'étais à la fois traditionnel et coupé des traditions sociales et sans appui collectif, social et politique. Une seule institution pouvait correspondre à mon désir, c'était l'Académie française, parce qu'elle planait au-dessus de toutes les discussions doctrines et de méthodes. D'autre part, elle était séculaire, elle était même trois fois séculaire, elle procédait non seulement de la monarchie française, mais du grand esprit organisateur qui a présidé à sa forme moderne, qui est la plus grande religion dont vous voyez sur ma cheminée plus. Ma reconnaissance est profonde et combien mes vœux sont comblés.
un peu contradictoire, mais il paraît. Vous savez que la vie a des hauts et des bas. L'an dernier, les mêmes amis de l'Action française, et de l'au-delà de l'Action française, se réunissaient ici, il y a à peu près 11 ans, pas tout à fait 12 mois, pour fêter ma sortie de prison. Maintenant, sur mon entrée à l'Académie, qu'il fait, je ne peux dire qu'en fond, il passe la même chose. Je ne voudrais pas jouer au paradoxe, je ne voudrais pas paraître embrouillé avec mes contemporains indécis, vertueux, proche de l'instance quelconque. Mais la vérité, je crois bien avoir été toujours fidèle à un certain mot d'ordre, à une certaine formule, à la fois traditionnelle et nationale, et la grande récompense qui est octroyée